Ouais, je suis bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. J'espère que vous allez tous très très bien. En tout cas, moi, ça va. Merci de demander. Et voilà, encore une fois, cette semaine, j'avoue, j'ai pas toujours été devant vous pour vous raconter tous les dossiers que j'ai pu récolter. Mais là, on va partir sur un dossier qui, je pense, va vous intéresser un petit peu. Ça concerne Neymar qui vient de se faire littéralement larguer par sa copine parce qu'il envoie des messages à des mannequins sur OnlyFans. En plus, on dit mannequin pour pas dire actrice porno. Voilà. Voilà Neymar ce qu'il fait. Papa de famille, sa femme, elle vient juste d'accoucher. Et vu qu'il peut plus, après un accouchement, faire des petites choses un petit peu dégueulasses avec sa femme, il est parti essayer d'aller voir ailleurs. Mais qu'est-ce que sa femme, elle a fait? Elle a vu! Mais oui, elle a vu sa fête de frappe. Elle a vu son contrôle orienté et elle l'a bloqué. Et voilà, elle l'a fait sortir du terrain. Comme quoi, Neymar, on va pas se mentir, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu sur le terrain. Et toi, t'essayes de dribbler. Tu continues à vouloir faire des accélérations. Mais il faut de l'entraînement pour ça. T'es malade ou bien quoi? Hein? Toi, ta femme vient d'accoucher. Au lieu de fermer tous les robinets, tu te dis, bon là, elle va s'occuper du bébé, elle va lui donner le biberon, elle va être trop fatiguée. Allez, j'y vais, personne ne peut m'arrêter. Ah, oh, c'est Neymar, joga bonito, pas de chiao. Tu crois quoi? Hein? Neymar, on t'a dit qu'il faut de l'entraînement. On t'a dit qu'il faut arrêter d'aller au carnaval. On t'a tout expliqué. Mais toi, tu ne comprends rien. T'essayes de dribbler alors que tu es blessé. Là, on voit que tu as perdu beaucoup de tes capacités. Tu n'es plus le Neymar d'antan. Avec les longs cheveux, la personne pouvait t'arrêter. Tu vois ce que je veux dire? Même si demain on t'attrapait avec les messages, même si on t'attrapait avec une femme dans le lit, tu faisais ta petite danse, c'était terminé. Mais là, tu vas faire quelle danse? Hein? T'es blessé. T'es parti jouer en Arabie Saoudite. Ton équipe du Brésil vient de se faire fracasser par l'Argentine. Et toi, tu vas sur OnlyFans. Hein? Réseau social, pratiquement. Hein? Démoniaque! Là, on ne voit uniquement de la chair. C'est là-bas que tu vas et tu cherches à demander à des filles de venir. Mais tu penses quoi? Hein? Que cette fille-là, là, quand elle allait voir ton message, elle allait garder ça pour elle en mode secret? Mais t'es sur OnlyFans! T'as pas compris? OnlyFans est un endroit où tout homme marié n'a rien à faire là-bas. Parce qu'il faut payer pour parler aux gens. C'est encore pire. Donc là, Neymar se retrouve officiellement célibataire, puisque sa femme, la mère de ses enfants, l'a littéralement quitté. Elle a dit que maintenant, on n'avait plus rien en commun à part nos enfants. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va avoir nos relations. Mais lui et moi, c'est terminé. Voilà, Neymar. Voilà. Nous qui te regrettions ici au Paris Saint-Germain, voilà, même dans un pays où pratiquement tout est interdit, t'arrives à faire du sale. Hein? T'es marié. Et puis tu vas chercher tu sais, tu risques combien là où t'es? Fais attention, hein? Ils vont t'attraper. Ah non, ça c'est interdit là-bas. Donc commence un petit peu à te repentir et à te remettre dans le droit chemin. Parce que là, il n'y a plus rien qui va. Jouer à la play, faire des paris et tromper sa femme, c'est pas une vie. Sois concentré là.